Coucou les coucous, de retour à Total War Troy avec Françou. Salut. On devrait faire encore un tour ensemble, ben, la fin de son tour puis le début de mon prochain tour, capturer la ville, puis c'est ce qu'on va appeler la session ici. Je sais pas si c'est un épisode, deux épisodes, trois épisodes, quatre épisodes, probablement pas quatre. Donc lui il va attaquer une ville, je pense, ou non, tu vas juste faire un combat? Je vais attaquer une ville, ouais. T'attaques une ville, ok. Fait que dans le fond, on va attaquer deux villes durant nos prochains tours. Utiliser le bon terme, j'attaque un settlement. Fait que c'est pas... Fait que tu t'en vas sur Serentos en ce moment? Ouais, sur un settlement, t'as pas de mur. Ling Siege. Alright, c'est cool. Alors, je te suis. Ça va être probablement la plus grosse bataille qu'on a vue ce soir. Rogue! Alright, on n'est pas des orques. Warhammer joue des orques. L'armée de Black Orc qui avance. Orc, 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 orc. Ça, c'est plus 40k. Ok, fait que ça, c'était gars. Pour le moment, je fais rien. J'attends après toi. Eux, on les voit pas. Ok, donc il y a un settlement, on peut voir la structure. Tu m'as donné. C'est mes Marines. 200 Spear Infantry. Ok, on sait pas son où, mais mon intention, ça va être de faire une battle line ici. Ok. Je t'invite à essayer de sneaker comme ça. Ok. Play! Quand tu veux. Changement de plan. Battle line va être ici. Je t'invite toujours à sneaker comme ça. J'allais chialer qu'il te prend 4 Javelin Men, mais c'est à ce moment-ci que je réalise que c'est probablement moi qui les a tués dans la dernière bataille. Fait que c'est toujours de gauche à droite que je veux. Ouais, gauche à droite, c'est tu t'aimais face à ce que tu regardes. Tu mettrais de droite à gauche si tes ennemis sont en bas de ton écran. L'icône a 3 jambes, ça me divertit. Ok, ça c'est leur héros. Puis ils ont un Archer et Hero aussi. Ouais, ils ont 2 Hero Units. Est-ce que j'ai... avance pas trop. Attends que mon... mon main army... One of your units has no more ammunition. Je suis caché! Je suis mieux de jumper sur leur leader à 2 contre 1 ou... Ouais. Ça a l'air que lui il veut faire ça dans tous les cas. Yule Python Skirmish, Toggle Skirmish on. Ça je veux faire. Piu 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 dans son cul, piu 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 piu. Fait que j'ai raté un de ses héros. Under attack. Non, 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 continue, toi comme ça. Man, il doit être fort en tabarnak cet archer-là s'il pense être capable de faire beaucoup de damage. Il y a 477 de missile damage. Ouais, mais moi j'ai 40 gars qui tapent dessus. T'as 40 gars à 34. Fait que.
Hey, on n'a pas perdu. Ça a été... un peu plus facile que prévu. Le balance of power que le jeu te donne, quand il dit 50-50, c'est généralement que t'écrases l'ennemi. Okay. À part quand tu l'écrases pas, puis tu sais pas pourquoi, puis soudainement tu te fais péter la gueule complètement. Et comment que je me suis senti la première fois que j'ai joué à ce genre de jeu-là. Hein, as-tu fini de taber du monde? Ben non. I am unstoppable. T'as détruit une faction. Mon tour va, ça va prendre moins de temps à arriver à mon tour. Ne pas oublier comme tantôt de recruter des troupes à la fin de mon tour. King Agamemnon. Happiness, influence. Cliquez sur des boutons puis essayez des choses. Après ça, c'est au tour de cheval qui pole dans le spot. J'ai fini mon tour. Your frame rate is below 30. Lower your graphics setting to get a better frame rate. Faction destroy. Mais ça, c'est toi qui l'as détruit. Ouais. Donc là, t'es 13 contre 11. C'est plus... Lord of men. Fait que juste un right click puis on attaque, là. Ouais. Pas capable. This army cannot attack in its current state. Il faut que tu changes son encamp state en standard. L'icône était en bas à gauche, juste à droite du gros bouton rond. Ambush, raiding, je veux juste le ready. Yes, indeed. Là, je peux bouger. Fait que là, j'ai auto, break siege, ça veut dire chaque mon cœur, continue siege. Ok, fait que là, je suis juste en mode de siege en ce moment. Ouais, fait que là, t'es en train de l'assiéger. Tu peux faire des engins de siège si tu veux, en plein centre. Mm-hmm. Ou tu peux juste assauter ses murs avec tes troupes, puis on va grimper des murs. Show no mercy! Et c'est mes grimping. Des laddering. Ça a l'air d'être sensiblement la même map que ce qu'on a fait tantôt. Ça a l'air comme exactement la même map. Pas mal ça, je suis en train d'insinuer. Hein. Ouais. Almost there. Almost there. Puis voilà. Alright. Qu'est-ce que tu veux comme troupe? Je te prendrai tes 3 ranges. Fac, skirmish, light javelin, puis mes slingers. Ouais. Y'a où le piton déjà? En bas à gauche, autour du cercle, c'est un gift unit. Il est à droite du portrait de l'arme. Ah, parfait. Je t'ai donné techniquement, ouais, ok. Ouais. Je te propose 2 choses. Je dégoûte. Attaquer de la même angle qu'on avait attaqué durant ma game. Attaquer ce mur-là. La raison étant que les deux tours pointent pas dans cette direction-là, qui rend ça que tu vas pas trop te faire taper dessus par les tower ennemis. Ouais. Ou attaquer complètement à gauche, comme je mets plein de lignes rouges dessus. Seconde, contrôle 3. Attaquer à gauche, ça veut dire qu'il faut que je m'en va par ici. Peux-tu remettre les lignes, s'il te plaît? Ouais, je suis sur le mur présentement. Ok, je vois.
ce mur-là a juste deux tours, sont loin l'une de l'autre, puis est assez large, mais si on part là, on va directement grimper le mur puis se battre contre le monde du mur. Mais je te le proposerais ça vu que t'as une bonne ligne de Spearman. L'affaire avec ton premier plan ici, ouais. C'est l'angle des tours font vraiment un mauvais blind spot. Je sais, ils peuvent pas te tirer dessus pendant que t'avances. Ouais. C'est. Puis tu pourrais placer tes troupes comme. Où est-ce que j'ai mis mon verre? Yep. Puis t'avances dead là. Pour la gloire. Dans sa face. The foe has sighted your hidden units. La bataille a-tu commencé? Non. Ok, on fait juste voir des units. J'ai mis les Vanguard Deployment okay. Devant le mur. C'est toi. Mais ça veut dire que eux, ils vont peut-être replacer ses troupes directement sur le mur? Il va probablement le faire. Puis ça va quoi être ta réponse? Voir si je peux les cacher. Boogie de boogie de boue. Je peux plus les cacher. Ok. Ben, j'ai du range. Puis ces tours m'attirent pas. Fait que je vais tirer sur ces gosses sur le mur avec mon range. Fait que dans le fond, moi, je fais juste te rattraper. Ouais. Je grimpe directement. Fait que je pèse sur le piton start battle. Je suis prêt. Ah, pas de l'air d'un échange équitable ton affaire. Non, 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 non. Tirer du monde sur un mur. It seems still like a bad idea at the time. Puis ils ont des shields en plus. Si je fais ça. Your ladders have a foothold on their walls. Trois. Surtout d'envoyer tes Spearmen en premier. Lesquels, mes Young Spear ou mes. T'es ceux avec les shields. Ouais, c'est bon, c'est ça, c'est. C'est fait. Scroll. Je pense que je vais favoriser un over the top view ici. Je ne t'ai pas d'envoyer Agamemnon ici sur le mur. Beaucoup de monde sur ces murs là. Y'a de la bataille. Puis y'a deux héros. Pourquoi qu'ils ont du bleu autour de leur troupe? Un de ces héros a activé une. Un babilité. Yep. Quoique je sais pas. Est-ce que je peux tourner la caméra? Oui, middle mouse button, tu te tiens enfoncé. Ça va aller mieux si je regarde dans l'arrière, dans leur cul. The foe has captured your tower.
Ma tour. Ok, t'as des troupes sur le mur qui peuvent commencer. Je le sens en bas. Parce que je comprends pas ce qui se passe sur le top du mur. Il y a encore quelques troupes sur le top du mur qui sont en train de breaker. Il y en a un qui est solide par contre. Ah, mais. Il est running. Son moral est très haut, mais il. Il est routing. Ok. Clique sur Agamemnon. Ouais. Puis autour de son portrait en bas à gauche, t'as des icônes au-dessus de son portrait. Qui devrait être ses 8 double skills. J'ai cliqué sur un skill. Ouais, je dois admettre que les murs me fourrent en tabarnak sur qu'est-ce qui se passe. Je vois des icônes qui sortent de l'écran, genre. Tes troupes ont un petit peu ignoré son leader. Je sais pas où son leader. Ok, il est là. Il est un peu flanqué par toutes mes archers, fait que je pense que ça va bien. Je dois admettre qu'à cause du mur, j'ai rien compris au combat, là. T'as monté le mur, le monde se sont affrontés sur le mur. Ouais, T'as deux squads qui ont flanqué, le marché de ses squads à lui ont flanqué. Le problème, c'est les petits icônes, là. Out of the blues, genre, ils partent puis ils sortent de l'écran. Puis ils revenaient. Puis ils partaient. Ils se chevauchent. Fait que je comprenais pas ce qui se passait. Alright, je veux faire You le Python in Battle. Là. J'ai trouvé. Tenir Space assigne toutes les icônes au-dessus des Bandit Units. Ok. Je l'ai fait par réflexe, fait que je me demandais la différence. Ça, j'arrête pas de spammer Space pour voir ce qui se passe. Moi, j'avais. Ma main gauche faisait fuck all. Moi aussi, je tape du monde. Ah, j'ai une grosse paillasse finalement. Fait que t'as pogné le mur. Yep, là je peux occupy, loot, sac ou raise. Probablement occupy. Occupy, c'est utile si tu veux gagner la ville. Oui, je veux avoir la province. Le deuxième te donne des ressources, mais elle va commencer plus bas niveau. Fait que moins d'upgrade. Ça, c'est utile si tu penses que tu seras pas capable de la garder longtemps, comme si tu avances chez les ennemis. Prends le premier. C'est ça, je me disais. Puis les deux autres, c'est tu prends des ressources puis tu pètes la ville. Reaching the full mold depicted against the starry sky. The tribe leader's shield is a defensive focal point for warriors to rally around. Armor gained. Ok, c'est une armure littéralement. Plus 4 to armor of all units while besieging this army. Plus 4 melee defense of hero. Alright, close. Bon! Fait que c'était ma première expérience. Tes trois premiers tours de Total War en co-op. Alright, c'était quoi? C'était 5 ou 6 épisodes juste pour moi? Là? Mais. La musique a beaucoup d'infos. 2, 3, 4, 5. C'est-tu un épisode en con. Non, ça c'est pas un épisode. 1, 2, 3, 4, 5 épisodes que ça va être. Ça c'était beaucoup d'infos drop pis d'apprentissage. Mm-hmm. Ça, à court terme pour toi, ton objectif, ça va être de déclarer une guerre contre Corinthe. Yep.
Corinne. Après ça, peut-être commencer à jouer avec la mécanique de trouver du monde qui t'aime pour les vassaliser. Alright. Mais bon. J'ai aucune idée comment ça marche. Ça va être tout pour cette session-ci. Possible qu'on joue encore, moi puis Frank, que ça soit enregistré. Peut-être cette campagne-ci. Peut-être une nouvelle campagne. Je dirais que c'est 50-50 à this point si on continue à jouer, puis 50-50 si on décide de faire la même campagne rendue là. On va voir. Any parting words, my friend? Non. Merci de l'avoir essayé. Ah, ça fait plaisir. J'avais deux oiseaux qui sont stackés un par-dessus l'autre, puis sont comme rentrés dans l'océan. That's all. All right. Au revoir. Et à bientôt. Ciao, ciao.